Liberty Fall. Récompense de quête. Pistolet laser. Obtenez une carte de vie. Parce que je crois que c'est Black Ops 3 ou 4. J'ai essayé le mode zombie. J'ai rien compris. Celui dans une arène là. Mais il y a un scénar. J'ai l'impression d'être un boomer. Mais je connais ça. C'est. Comment il s'appelle ce film là ? Dans les années twist avec la meuf qui veut être comédienne mais qui est zinzin. Putain, tout. J'ai tout récemment que j'ai vu. Hein. Merci Alex Caméléon. Je vais chercher ton pull dans la voiture. Ah oui, d'accord, mais il y a vraiment trois jeux en fait. Bienvenue sur Banzai Live. Un monde avec des zombies. Niveau 10, répondez. Il y a un problème avec ça. Putain, ça se passe dans un monde tellement parallèle. J'ai l'impression d'arriver à la saison 10 d'un truc. Mettez le personnel à l'abri. Je m'occupe de ça. En plus, je suis tout seul. Hein. Oh, c'est full steampunk. Sécurisez le poste de commandement. Faites venir des renforts. On doit confiner Liberty Falls, compris ? Compris. Ah oui, c'est très puissant, ça. Cet homme, elle était schnick. Les mecs font des meilleurs films de zombies que les vrais films de zombies, quoi. Ouais, petit côté XCOM The Bureau, effectivement, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est vraiment la suite du lore des autres zombies, des autres codes? C'est là, je suis curieux, quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Vive le Québec libre, il a dit. En plus. Mais Edward, je le suis déjà. Malheureusement, oui. Ok. Donc là, au début, t'as qu'une arme secondaire, quoi. Qui vous êtes matériel, petite, grande augmentation. Et donc t'as atout à boire, mode de communication, mode de munition, amélioration de combat. Câble HS, napalm, ténèbres. Moi je veux être un mec au napalm. Et grande augmentation. Ah ouais, non recherché. La santé maximale. Ah mais là, il n'y a rien, quoi. J'ai droit à trois trucs. Je comprends rien du tout. Je capte rien. Avant tu avais Takeo Dempsey, Richthofen et compagnie, maintenant ça part trop loin. Il propose un résumé des épisodes précédents. Ouais, j'avoue, parce que... Non mais le truc dans le Colisée là de Black Ops 4, je crois, ça avait l'air trop beau et intéressant à moitié, et rien capté du tout, quoi. Bon, là, en plus, on est en solo, donc ça risque de me paraître abscon, quoi.
Mais ce qui est fou, c'est quoi, effectivement, il y a des gens, ils achètent Call of Duty pour le mode zombie, quoi. Après, c'est joli, hein, putain. Équipe d'intervention rapide Alpha, ici Blanchard, responsable de la sécurité. Vous me recevez? J'ai barricadé le centre de commandement. Ah bah, c'était une blague, hein. Ça devait aller. Essayez de voir si vous trouvez des survivants. Vos caméras sont actives, je garde un œil sur vous. Genre ça c'est quoi? Mais il loot des trucs. J'ai l'impression de tout ça ou quoi? Mais je peux pas aller là. Ok, donc là j'ai un bubble gum qui est levé de bouclier. Bonus. On dirait un vieux schéma. Il contient peut-être des informations intéressantes. Ah mais y a pas le truc de se barricader là? C'est la merde, comme il l'avait prédit. Docteur Pericles Panos. Et en plus il me chie du lore à la gueule. Il m'avait dit un jour qu'il serait mon meilleur allié. Mais c'est un bon machiniste et un homme de parole. Il aime le bourbon presque autant que moi. Ensemble on a mis au point un alambic, le Trust Odine Model 23. Le truc est chauffé par un putain de moteur à réaction. Rien que ça. Panos a travaillé pour le projet Janus. C'était une sorte de génie. Il arrêtait pas de cracher. Mais tu viens d'où, toi? Oh. Et leurs expériences bizarres. Et maintenant, alors que l'enfer se déchaîne, ils tentent de réparer leurs conneries. Il est venu me chercher et il m'a donné un schéma. Que je pouvais transformer le Trust Odine en arbre. Qu'il me suffisait de quelques câbles, d'un frein à main et d'un manomètre. Attends, mais quel est le... Je suis censé faire quoi là? Maintenez la pression. On doit trouver ce qui a provoqué ce désastre. Les gens, vous devez... Parce que pourtant là, c'est vraiment en mode solo. Hein. Donc s'il y a des gens qui veulent backseat, je prends... Tu sais, j'ai l'impression d'être un nouveau-né. Parce que là, même le système de bombec, ça me paraît chelou, quoi. Un
Il y a des plaques d'armure, ok. Ça, c'est faire le plein de munitions. Ça, c'est un flingue. Suis les marqueurs d'objectifs pour progresser de base dans la map. Ah ouais, mais je peux aller nulle part. Comment j'y vais là? Pour réussir un tir en pleine tête, le tout c'est de se concentrer. Je vous jure que je veux comprendre. Les barrières bleues, tu les ouvres contre des points. Ah. Là, j'ai rien là. Injection mutante à débloquer. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu le visage sur ce truc? Oh, je vais en faire des cauchemars. Mais je ne connaissais absolument rien de tout ça. Après, si tu peux jouer en splitté, c'est vraiment sympa, hein. Oh! Munition max. Dynamisé et revitalisé. Arrêtez de faire chier quoi. Avec cette opération, ça leur sort du corps. À glancer. Je me suis entraîné spécialement pour ça. C'est dégueulasse. Il est affreux ce fusil à pompe là. Il a énergie en place. Ah c'est ça ma mine. Ah, il est à chier ce fusil à pompe, c'est abusé quoi. J'aime bien la musique à la John Carpenter et tout, mais waouh. Quoi, Guigui? Oh oui, oui. Voilà, on va pouvoir parler. Attends. Alors, question, est-ce qu'il faut que j'arrive aux deux objectifs ou... Lancé.
J'en ai fini pour toi. Ouais, s'il faut que j'en choisisse un. Ah! Il avait la mâchoire fragile, celui-là. Protection Max. Attends, et ce bon bec, là, c'est quoi? Partout, sauf ici. Ok. Les objectifs marqués te permettront de faire le secret mais guidé. Dans les marqueurs, c'est juste deux chemins qui emmènent au même endroit. Ah, ok. Ah ouais. En plus, faut trouver la combinaison. Mais d'une certaine manière. Je balance un incendiaire. C'est hyper stressant. Je suis pas venu. C'est beaucoup mieux que Cold War sur tout. Putain, mais arrêtez de saouler, quoi! Insupportable! Vous voyez ces champs des terres noires? Vous en approchez pas, compris? Il est nul, ce fusil à pompe! C'est abusé, quoi! De lapin. Je veux des réponses. Ah, ils ont du blindage. Ouais, mais c'est infernal! Bordel de chiasse! Vous voulez vous tailler, l'hélico d'exfiltration sert à ça. Et ça c'est quoi? Boire, générer une explosion? Non, mais il boit forcément. Quelques minutes. Et c'est plus tard que tu l'as, okay. Alors quand je vous dis que je découvre vraiment le mode zombie, mais genre... Attends, mais l'exfiltration c'est là? Oh mais... Quoi, mais il faut se barrer. Ou c'est juste pour acter le fait que tu termines? Je rate rarement. Et valider ton expérience.
J'envoie une grenade paralysante. Prends-toi ça. Tu veux finir et avoir un bonus d'XP. Ah oui, d'accord. Mais ça veut pas du tout dire que t'as fini la map, quoi. C'est juste pour safeiser des points. Je lance une grenade paralysante. Mais les armes sont à chier, quoi, c'est... C'est un bon hélico. Wolfenstein, hein. La tiraille, mais sans aucun savoir-faire. Ça s'est fait quoi? Est-ce qu'il m'arrive? Est-ce que je suis en train de faire mon ulti sur le parquet? C'est pas une expérience que j'aimerais revivre. T'as pas pris les meilleures armes, c'est pour ça. Si tu vas à l'église, tu pourras l'améliorer contre 5000 points. Ok. Un de plus au compteur. En fait, je voyais pas où étaient mes dollars. Merde. Bon, ça, déjà, ça va changer la vie. Munition max. Du coup, il n'y a pas le truc des barricades. Merde, j'ai pas la K-74. J'ai plus de thunes parce que du coup je suis revenu là. Mais comment tu veux te concentrer, quoi? Oh, y'a un autre gars! Oh, c'est violent! Et c'est comme ça qu'on fait!
Je comprends rien de ce que je fais. Pourquoi il ramasse pas les plaques d'armure automatiquement? J'ai l'impression d'être dans la... dans une autre dimension là. Tu ne comprends même pas ce que c'est que ces fameux trucs. Mais il y a un tuto pour apprendre à tenir sa bite quand on pisse. J'espère que vous avez suivi ça. J'ai presque besoin d'une pause. Je sais même pas ce que c'est que cette merde. C'est ça, je rattrape 14 ans de zombies d'un coup, quoi. Et là, on est mort. J'ai... genre... ok. Donc, j'ai survécu 14 manches. Très bien. Et donc là, je suis censé avoir mieux pour... je peux commencer avec les armes que j'avais ou pas du tout? Pour une première, c'est bien, t'inquiète. À la PGW, c'était niveau 40 au calme en 12 heures. Mais attendez, quand tu dis la meilleure pour commencer, c'est la M4. Je suis censé la trouver là dans la map? Ah oui, d'accord. Faut savoir ce que t'achètes, quoi. C'est pas random ou quoi? Parce que solo, c'est un délire. Dans Atirail, tu peux créer une classe comme en multi. Ouais, mais c'est pas une classe avec... ouais, mais t'as... ah, ah, mais tu peux commencer... ah, mais putain, mais je croyais que c'était qu'avec un flingue. What the fuck? Non mais genre comme il n'y avait qu'une seule arme. Il n'y avait pas d'arme de poing. Comment tu veux que je devine moi?
Ça vous paraît normal, mais je vous assure, j'ai l'impression de... Bon, le silencieux, pas intéressant. Mais comment tu veux que je devine? Si tu joues dans un scénario, tu gagnes plus de ressources sur la map. Ouais, mais du coup, ça a l'air beaucoup plus faisable en commençant avec une mitraillette directe. Mais tu m'étonnes. Mais je pensais que c'était imposé de commencer avec un flingue. Tu les as débloqués avec ta première round, t'avais juste un flingue avant. Ok. Faut juste penser à augmenter la rareté de ses armes et le pack à punch aussi. Ouais, non, en fait, c'est que là, l'espèce de borne avec le menu genre, est-ce que tu veux des dégâts de feu, de machin, de bidule, ou acheter une version tout feu, tout flamme de la même arme que t'as déjà. Je n'ai pas le temps de me concentrer quand je me fais agresser le cul, et du coup... Ouais, mais là, je... Mais sachant qu'en fait, en plus, comment dire... Bienvenue à Liberty Falls. Nombre d'habitants... À l'époque, Cold War, j'y ai vraiment joué 2 minutes, quoi. J'aurais jamais cru me réjouir autant de l'arrivée des renforts. Eh ben, faut dire que j'ai de la chance d'être encore en un seul morceau. J'ai besoin de vous pour trouver des survivants. Neutralisez toutes les menaces. Aidez-moi à sauver cette ville. Reçu. Et du coup, là, c'est la même map. Laisse tomber, laisse un zombie à la fin d'un round pour explorer. Ah, c'est ça la technique. Trouvez-les et sortez-les de là. On aura besoin d'eux pour mettre un terme à cette contagion. Mais là, il y a un truc. Reste couché, enfoiré. Des informations intéressantes. Ok, là j'ai 3000 balles. Pour une équipe qui s'attendait pas à affronter l'apocalypse, vous vous débrouillez plutôt bien. Là j'arrive par là. Et là du coup. Ah, mais faut 1500 balles. Ça, c'est le mode berserk. Il y a un truc pour avoir deux. 4000 balles. Je ferai revenir le glam metal. J'aimerais bien faire venir le glam metal aussi. Je te le concède. Mais j'aimerais bien m'acheter un. Est-ce que ça, les mecs qui viennent. Attends. Wow, wow, wow. Wow, mais je suis mort là quoi, putain, mais j'ai tellement foiré mon coup. Gâchis.
Et je comprends le coup de tryhard, mais en fait, moi j'aimerais comprendre ça là. Allez, augmenter la rareté de l'arme. Et là, par exemple, je peux mettre dégâts de feu. Et là, je peux m'acheter le fait d'avoir deux barres d'armure. Et maintenant, on continue. Putain, mais là, c'est nul d'avoir. Ah, mais le fait qu'ils arrivent par derrière, là, c'est tellement pervers! Elle est nulle cette arme pour eux. Oh, c'est abusé. C'est moi ou l'ambiance est explosive? Ça fait aucun dégât. Faire de mieux. Non mais en fait fallait prendre glace, c'est abusé. C'est plus facile de se battre au couteau qu'avec ça. Ça c'est quoi là? Vermine éliminée. Ça c'est mieux déjà. Ah! Le truc c'est quand tu recules envers l'inconnu, tu te fais vraiment croquer le cul vite fait quoi. Stock option, j'ai pas, toujours pas compris trop le délire. Elle est à chier la mitrailleuse, putain, c'est de la merde quoi. Ça ne tue pas quoi. Je regrette mon achat quoi. Tu as un casque à musique où tu as pris la bubble gum sur le sous le bain. Quoi? Augmenter la rareté d'un truc, faut genre 1500 balles quoi. Enfin, grenade paralysante envoyée. Protection Max.
Bordel, quoi. Ah, vous dites qu'il faut, vaut mieux laisser un zombie. À la fin d'une vague. Pour pas stresser, quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un bubblegum en plus. C'est vraiment tellement un autre délire, je... En fait, j'aime l'idée de penser que des gens, ils ont 1000 heures de Call of Duty en zombie. Le ragoût est prêt. Et moi, je n'ai jamais joué sérieusement en zombie, quoi. Mais je sais qu'au nouvel an, je vais motiver mes troupes pour... C'est combien de joueurs maximum en zombie? 4? Ok. Donc là, mon arme est un peu mieux, j'imagine. Ça m'a coûté 500 balles. J'en avais 1000. Là, je peux juste dépenser 2000 pour avoir une XMG. Ça a l'air plus lourd au son, mais pas du tout. Ça met 1000 plombes à recharger. Vous n'apprendrez jamais. Marrant de voir ces abris qui mettent le coup dessus. Ah mais non, mais la hache de... Ok, la hache de combat, c'est un hache de lancer. Ok, donc il y a l'exfiltration pour rentabiliser mon truc. Levé de bouclier, on va dire que je sais pas ce que c'est. Là, je peux m'acheter des munitions. Pour réussir un tir en pleine tête, le tout c'est de se concentrer. Je ne fais aucun dégât, c'est une dinguerie! Ça ne suffit pas! Bah
Ouais, mais à côté, il y avait aussi une machine pour améliorer arme contre les points, mais j'avais que 800 points, ça me paraissait tout pourri, quoi. Pour essayer des boissons, c'est des bonus sperma. Ah ouais. Non, mais ça a l'air pas mal, hein. Mais par contre, cette arme-là, de la merde. Les trucs ne font pas de dégâts, quoi. Finalement, on a joué plus longtemps avec le flingue sur la première run, quoi. Avec le bandeau de sub, vous voyez pas toute l'interface. Je sais pas ce que ça vous cache là. Qu'est-ce que ça cache le bandeau de sub ? Ah, tu voyais pas, vous voyez pas ma vie. Ah oui, d'accord, c'était comme ça. Okay, responsable de la sécurité. Merci d'avoir répondu à l'appel. Je me terre dans le manoir depuis hier pour essayer d'organiser l'opération de confinement. Maintenant que vous êtes là, on va pouvoir sécuriser la ZO. Vous observerez via les caméras et coordonnerez vos actions. A défaut d'aller up une arme, ouvre pas les portes aussi vite, accumule des points avant dans une zone moins vaste. A l'époque, ça marchait bien, ok. Mais du coup, il faut rentabiliser sa run. Genre à fond, quoi. Alpha, fouillez la zone. Trois scientifiques travaillant pour Janus sont portés disparus. Leurs connaissances sont indispensables au succès de cette mission. Alors, les bubblegum, toujours pas trouvé le vrai intérêt, quoi. Bon, c'est bon, là j'ai un petit rythme. Je lance une frag. Pour une équipe qui s'attendait pas à affronter l'apocalypse, vous vous débrouillez plutôt bien. On dirait un vieux schéma. Contient peut-être des informations intéressantes. Ah, ça, c'est un incinérateur, ok. Mais là, c'est pareil, ça. Ça, j'aurais dû la prendre en kilou, quoi. Mais on peut en prendre autant qu'on veut, des bons becs. J'ai pas mis le truc, mais... Arme.
mais ils sont plus coriaces que des vrais mecs, quoi. C'est pareil, il y avait un espèce de distributeur là, j'avais l'impression qu'il améliorait la... les attaques au corps à corps. Sur le grand rayon bien dans le sol, c'est la boîte mystère, tu vois tous les armes correctes là-dedans. Ah. Ouais, mais on me dit pas tout. Ça coûte moins cher. Protection max. Un mec qui s'énerve en tout cas. J'envoie une bombe collante. Au moins ça fait farmer pas mal de trucs différents quoi. Ok, donc on va aller par là. Non, on va économiser au maximum. Mais ce fusil à pompe là, il puait tellement la merde. Attends, mais comment tu vas plus vers le truc? Surveillez vos arrières, il doit y avoir encore d'autres cafards. Je suis pas venu ici pour enfiler les perles. Pour enfiler les perles? Je suis pas venu ici pour s'ouvrir, ok? Attends, mais le truc bleu, il est là-bas. Comment tu veux que je m'en rapproche? Qu'est-ce que t'as à faire? J'attendrai. Un tantôt. La chance me sourit. En soi, ça décolle, hein. Ok, mais... Je déploie du C4. Hey! On va le laisser vivre. Voir les gens faire un plat, ça me fera toujours rire. Générer l'explosion, changeant les bénéfices d'une unité. Pour... Là j'ai 1200 balles. Ah merde, mais j'ai déjà une rareté bleue. C'est parti pour de l'électrique. J'espère que vous avez tous vu ça. J'ai l'impression que c'est qu'une balle de temps en temps quoi.
coiffé. C'est le prix de putain de zombies en bonnet de merde. C'est ça là que j'aimerais comprendre ce que c'est. Vous avez envie de vous battre. Boire pour remplacer la crosse de 30 par un coup de poing mortel. Ah voilà, ok. On va arriver à l'église parce que j'en ai marre de... qu'il se passe rien là. Sacré punch niveau. On va tenter les gars des capacités du chargeur. Reste couché, enfoiré. Putain, c'est vrai que j'ai qu'un seul niveau de blindage là. Mort instantanée. Et c'est comme ça qu'on fait. Que la... les dégâts de la capacité du chargeur. Ah voilà, ok, d'accord. Et là le truc il devient... Ah oui d'accord. C'est pour moi, ça, moi ça me choque hein, dans... Ah mais attendez, mais c'est pas du tout la suite du niveau. Attends, mais c'est quoi le... C'est quoi le budget, le concept? Protection max. Cette fois. Mais si, je suis censé pouvoir aller là. Ok, mais attends, mon objectif il est où du coup maintenant? 14 000 pour le blindage. Ah ça y est là, c'est... La map est ouverte tôt là. Pourquoi j'ai plus mon truc comme quoi je tape fort là? C'est fini ça? Ah tu le perds quand tu meurs. Mais du coup, là, quel est mon nouvel objectif? Faut que je fasse quoi de ma vie? Un
un grappin. Déchirez-les. Désolé, Alpha. On a besoin de l'hélico ailleurs. Je sais pas ce que c'est, le cadeau temporel. C'est censé me rendre plus fort. Je peux encore améliorer mon arme en retournant au même endroit. Qu'est-ce que je sais faire de mieux? Mais putain, c'est, putain, ah ouais, quand t'es flingué, t'es flingué quoi. $15,000 le level 2, $30,000 le level 3.